Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir cette nouveauté à absolument voir sur Disney Plus prochainement. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On est parti. Commençons avec Red Swan. Owen So est marié au richissime héritier du puissant groupe Wayne. Sa vie pourrait être sans aucun défaut si elle ne recevait pas régulièrement des menaces de mort qu'elle prend très au sérieux. Pour assurer sa protection, elle engage un garde du corps qui enquête en même temps sur la mort de l'un de ses amis. Ensemble, ils vont faire équipe pour résoudre leurs deux affaires. Et ils vont rapidement comprendre que non seulement elles sont liées, mais qu'elles prennent aussi leur source au cœur du groupe Wayne. Ce drama sud-coréen mêle efficacement mystère et romance. Alors si ce programme te tente, rendez-vous dès maintenant sur la plateforme Disney Plus pour le retrouver. Disney Junior, histoire de sirène. Cette nouvelle série d'animation pour enfants met en scène Ariel, la petite sirène, alors qu'elle est âgée de seulement 8 ans. Le roi Triton, Ursula et Polochon sont notamment au rendez-vous des aventures que vit Ariel au fond de l'océan. Cette série est aussi l'occasion d'introduire Lucia et Fernie, les deux meilleurs amis d'Ariel qui vont l'accompagner au fil des épisodes. Le programme s'inspire clairement du dernier film sorti en salle mettant en scène cette galerie de personnages. L'intégralité de la première saison est disponible depuis le 1er juillet sur la plateforme et cette série Disney peut être regardée en famille sans aucun souci. Le pays de Tanabata. Cette nouvelle série fantastique japonaise met en scène Yoji Minamimaru, un étudiant doté d'une capacité surnaturelle. Il est capable de créer de petits trous à peu près n'importe où. A priori, son pouvoir n'est pas très utile. Il découvre que l'un de ses professeurs a mystérieusement disparu après s'être rendu dans le village de Marukami. L'étudiant décide de s'y rendre pour y mener sa propre enquête. Sur place, il tombe sur l'étrange festival Tanabata, dont il remet immédiatement l'appartenance à notre monde en question. Rapidement, Yoji et ses camarades de classe se retrouvent plongés dans un vaste complot paranormal. Une série japonaise pour embarquer dans un monde fantastique à retrouver le 4 juillet sur Disney+. Under the Bridge. La mini-série Under the Bridge est une adaptation du roman du même nom écrit par Rebecca Godfrey. Elle raconte l'histoire vraie de Rina Virk, une adolescente âgée de 14 ans qui est portée disparue après avoir fait la fête avec ses amis. La série suit en parallèle Rebecca Godfrey et une enquêtrice locale qui cherchent toutes les deux à démêler cette sombre histoire dans laquelle un groupe d'adolescentes se retrouve accusé du meurtre de Rina Virk. Il s'agit d'une intrigue plutôt sombre mais qui révèle la face cachée des adolescents d'aujourd'hui. Si vous aimez les séries d'enquête, cela peut donc vous tenter et si tel est le cas, direction la plateforme de streaming le 10 juillet prochain. Les Simpsons. La longévité de la série d'animation Les Simpsons de Matt Groening a de quoi faire rougir n'importe quel producteur. Cette 35e saison de la série qui met en scène Homer, Marge, Bart, Lisa et Maggie parvient une nouvelle fois à se renouveler en proposant des thèmes très variés autour de la famille, de la société, de la politique et de l'évolution des mœurs de la société américaine. C'est toujours piquant, parfois un peu absurde aussi, mais aussi furieusement drôle. De quoi faire plaisir aux amateurs de la série qui attendaient cette nouvelle saison en version française et qui arrive elle aussi le 10 juillet sur Disney+. Les aventures de Paddington. Après avoir fait le bonheur des petits et des grands dans deux films mélangeant images de synthèse et prises de vue réelles, l'ours Paddington fait son retour à travers une série d'animation destinée aux plus jeunes. À travers des épisodes de 11 minutes chacun, ils racontent tous une histoire complètement différente. L'univers des ouvrages de Michael Bond prend vie et c'est un régal pour nos yeux. L'animation est très réussie et les personnages sont très attachants, à commencer par l'ourson en ciré bleu. Une série que vous prendrez sans aucun doute plaisir à regarder avec vos enfants à partir du 10 juillet sur la plateforme. West Side Story. Terminons en beauté avec cette adaptation récente de la célèbre comédie musicale de Broadway réalisée par Steven Spielberg en 2021. Elle met en scène la rivalité entre les Jets et les Sharks, deux bandes rivales des bas-quartiers de New York. Lorsque Tony, un ami de Riff, le chef des Jets, tombe amoureux de Maria, la sœur chef des Sharks, la situation se complique très rapidement. West Side Story fait contraster une histoire sombre avec des chansons joyeuses et romantiques et offre une réécriture de Roméo et Juliette qui rend le tout intemporel. Le casting compte notamment Ansel Elgort et Rachel Zegler dans les rôles principaux. Ce film qui semble déjà culte est à retrouver dès maintenant sur Disney+. C'est terminé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. À la prochaine.